Dans cette vidéo, on va voir comment présenter ses excuses, par exemple professionnellement, mais aussi comment s'excuser auprès d'un ami. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmation de soi.info. Comme je le disais à l'instant, dans cette vidéo, on va voir comment s'excuser, c'est-à-dire comment demander pardon à quelqu'un pour quelque chose. Ici, dans cette vidéo, je vais surtout appuyer sur deux points. Sur les choses qui doivent être dites, c'est-à-dire en gros comment formuler vos excuses. Et aussi sur les choses qui ne doivent pas être dites, euh, attention aux erreurs qui pourraient aggraver la situation. Cette vidéo, je vais la couper en trois parties. Dans la première partie, on va voir comment partir sur de bonnes bases, c'est-à-dire définir vos objectifs. Euh, autrement dit, être au clair avec ce que vous souhaitez, quel est votre but, quels sont vos buts. On va parler de votre ego, de l'humilité, de l'arrogance, et aussi de ce que vous devez exprimer lors de vos excuses. Dans la deuxième partie, on va voir les trois composantes d'une excuse universelle. C'est vraiment très très important. En fait, les victimes n'attendent pas toutes la même chose de la part de vos excuses, et donc vos excuses vont dépendre de la personnalité de la personne auprès de laquelle vous vous excusez. Vous devez donc bien comprendre ce qui est important pour la victime afin d'insister bien là-dessus, afin de bien insister là-dessus quand vous formulerez vos excuses. Vous allez voir, cette partie-là est vraiment passionnante, elle est basée sur une étude de 2010, regardez au moins cette partie-là, je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Et enfin, dans la troisième partie, on verra les erreurs à ne pas commettre quand on présente ses excuses, parce que si vos excuses sont mal formulées, elles peuvent paraître non sincères ou ressembler même peut-être à des reproches. Je vais donc parler de certains pièges dans cette troisième partie, de certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Passons tout de suite à la première partie où on va voir comment partir sur de bonnes bases. En fait, ce que vous devez vous demander, déjà, c'est qu'est-ce que vous, vous voulez Qu'est-ce que vous attendez de la présentation de vos excuses Comment espérez-vous que la situation évoluera ensuite Donc, quel est votre objectif Quels sont vos objectifs Alors, Généralement, quand on présente ses excuses, c'est pour ménager une relation. Entre des amis, par exemple, ou entre des proches, vous voulez peut-être apaiser une relation ou éviter que celle-ci ne se détériore. Euh, par exemple, vous voulez éviter de couper les ponts, de couper les liens avec les personnes concernées, vous voulez éviter de mettre fin à la relation. Peut-être aussi que les choses sont déjà graves et que vous souhaitez vous réconcilier, vous souhaitez vous excuser pour vous réconcilier si la relation a déjà été rompue. Et professionnellement, peut-être que vous voulez rétablir la communication avec un collègue, un responsable. Vous voulez peut-être améliorer l'ambiance parce qu'elle est devenue pesante par rapport à ce qui s'est passé. Vous voulez peut-être aussi regagner la confiance des autres parce que s'excuser, c'est aussi montrer qu'on est capable de reconnaître son erreur, ses erreurs et donc de progresser. Voilà, donc déjà, définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous attendez de vos excuses Comment vous voulez voir la situation évoluer ensuite et le fait de vous poser ces questions-là déjà dès le départ, d'être au clair avec vous-même, ça va vous aider dans la suite lorsque vous devrez présenter vos excuses. Ensuite, votre objectif, ce que vous souhaitez, c'est que la personne offensée, je vais l'appeler la victime, accepte de vous pardonner, en tout cas au moins qu'elle accepte de rétablir la relation. Donc qu'elle ait envie de vous pardonner votre erreur, comme je le disais à l'instant, mais aussi qu'elle accepte d'oublier le litige peut-être, et idéalement même de ne plus en reparler, plus jamais. C'est-à-dire qu'elle passe à autre chose. Vous vous attendez aussi à ce qu'elle veuille bien vous reparler à nouveau, idéalement donc sans attaque, sans allusion à ce qui s'est passé. Je prends du temps pour parler de ça parce que il faudra bien vous en souvenir pour éviter les erreurs dont je parlerai le plus loin, en particulier les problèmes qui sont engendrés bah, par son ego, par son amour-propre. Et justement, puisque je parle d'ego et d'amour-propre, j'ai bien conscience que ça peut être difficile, voire très difficile, de reconnaître une erreur qu'on a commise et de demander pardon pour cela. Mais si vous avez du mal, comparez en fait cette épreuve que ça va être pour vous aux avantages dont vous bénéficierez ensuite, vous et l'autre personne concernée par euh, cette dispute. En présentant vos excuses, vous allez peut-être réussir à rétablir la relation, peut-être à construire ensemble de nouveaux projets vous vous sentirez certainement soulagé, vous retrouverez certainement une paix intérieure en vous-même, et pour l'autre personne, ce sera certainement pareil. Euh, peut-être que vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait, et le fait de vous sentir pardonné par l'autre, ça va atténuer ce sentiment de culpabilité, parce que même si vous, vous n'arrivez pas à vous pardonner ce que vous avez fait, ben peut-être que l'autre, lui, il le fera pour vous, peut-être que l'autre, il va y arriver. Donc, même si c'est difficile pour vous de reconnaître une erreur que vous avez commise, pensez bien à tous les bénéfices que vous tirez de cet acte, de cette action d'humilité. Et gardez en tête que vos excuses, elles doivent exprimer au moins deux choses. Un regret et une reconnaissance de responsabilité. Donc un regret, c'est-à-dire que si vous ne regrettez pas votre comportement, alors vos excuses ne vont pas être sincères. Et l'autre personne s'en rendra compte. Donc, il faut nécessairement que vous exprimiez un regret à travers vos excuses, et ensuite que vous reconnaissiez, donc, je le disais, votre responsabilité. Même si vous n'êtes pas entièrement responsable de ce qui s'est passé, vous reconnaissez avoir une part de responsabilité. Autrement dit, vous reconnaissez que sur certaines choses, sur certains points, vous auriez pu agir autrement. Donc, il faut au moins cela, mais il y a d'autres choses que vous devez exprimer que vous pouvez exprimer lors de vos excuses, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie. Deuxième partie, les trois composantes d'une excuse universelle. Alors, cette partie-là, je vous l'ai dit, je trouve que c'est une partie passionnante, et je suis certain que vous allez apprendre des choses. En fait, cette partie-là, elle est tirée d'études de la part de deux chercheurs qui sont Ryan Fair et Michel Gelfand. Michel Gelfand, je m'excuse pour l'accent j'ai pas cherché à prendre un accent anglais, ce sont des chercheurs de l'Université du Maryland. Et c'est une étude qu'ils ont réalisée en 2010. En fait, ils se sont appuyés sur des recherches qui ont été menées dans d'autres disciplines, notamment la sociologie et le droit. Et d'après leur étude, en réalité, il y a deux études, d'après leurs deux études, il y a un élément très important qu'il faut prendre en compte quand on présente ses excuses à quelqu'un, c'est sa personnalité. C'est la personnalité de cette personne, et plus exactement, c'est ce qu'ils appellent, eux, en anglais, le self-construal, euh, qu'on pourrait traduire en français par l'autoconstruction de la personne, par sa construction de soi. Comment s'est déroulée leur étude Alors, je le disais à l'instant, ce sont en faites deux études. Pour la première étude, en fait, les chercheurs ont mesuré la façon dont 175 étudiants de premier cycle se percevaient. Puis ensuite, ils ont demandé à ces étudiants d'évaluer différentes formes d'excuses. Et ensuite, lors de la deuxième étude, l'étude de suivi, 171 autres étudiants de premier cycle ont indiqué comment ils se voyaient, puis une étudiante fictive leur a présenté différentes formes d'excuses après avoir accidentellement effacé le disque dur. Donc, tout ça, c'est fictif. Hein Donc, elle aurait accidentellement effacé le disque dur de l'ordinateur portable de son ami. Et les étudiants, les 171 étudiants, ont évalué leur indulgence envers cette étudiante en fonction des formes d'excuses, en fonction de la façon dont l'excuse était présentée, on va dire. Et quelle est la conclusion de cette étude, de ces deux études Eh bien, selon les chercheurs, on peut classer les personnes dans trois catégories. Et la forme des excuses, la façon dont on va présenter ces excuses, doit être adaptée à cette catégorie. Je le répète, parce que c'est vraiment clé, on peut classer les personnes dans trois catégories. Et la façon dont on formule nos excuses doit dépendre de cette catégorie. Je vais expliquer tout ça tout de suite. Mais juste avant une petite précision... Dans leur étude, les chercheurs ont testé plusieurs scénarios. Les données du disque dur qui ont été effacées, elles ont été perdues pendant une heure ou plusieurs semaines, selon le scénario. Donc, selon le scénario, l'effacement des données était plus ou moins grave. Et la conclusion de cette étude, c'est que les tendances se sont maintenues, quelle que soit la gravité de l'infraction. Autrement dit, ce que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo semble être valable aussi bien pour les situations peu graves que pour les situations... Plus grave. Autrement dit, c'est valable pour les petites excuses, on peut dire comme ça, aussi bien que pour les grandes excuses, pour les grands problèmes, pour les situations graves. Et voyons tout de suite quelles sont ces trois catégories de personnes, quelles sont les trois catégories de personnes qui font que la façon dont on va formuler nos excuses change. La première catégorie de personnes, c'est celle des personnes individualistes ou on pourrait dire en français peut-être aussi indépendante. C'est-à-dire que ce sont des personnes pour lesquelles l'affirmation suivante est plutôt vraie. J'ai un grand besoin de savoir comment je me situe par rapport à mes camarades de classe ou à mes collègues. J'ai un grand besoin de savoir comment je me situe par rapport à mes camarades de classe ou à mes collègues. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes que je vais appeler plus relationnelles. Je pense que ce terme-là, on pourrait le critiquer, mais vous allez tout de suite comprendre ce que j'entends par « relationnel ». En fait, ce sont les personnes qui se voient en termes de relation avec les autres. Par exemple, ce sont celles qui sont d'accord avec l'affirmation suivante. « Ce souci est profondément d'une autre personne, comme un ami proche. C'est très important pour moi. » Et enfin, on a la troisième catégorie de personnes. Je vais les appeler les personnes collectives. Euh, je fais allusion aux, aux jeux collectifs. Par exemple, quand on fait du football... Euh, on essaie d'être collectif. En fait, ces personnes que j'appelle collectif, ce sont les personnes qui se considèrent comme faisant partie d'un groupe ou d'un collectif plus large. Et ce sont par exemple les personnes qui sont d'accord avec cette affirmation suivante Je ressens une grande fierté lorsque mon équipe ou mon groupe de travail réussit. Maintenant que nous avons défini ces trois catégories de personnes, on va voir la forme que nos excuses doivent prendre en fonction de la catégorie. Parce qu'en effet, l'étude de ces chercheurs montre que l'impact des excuses dépend de la catégorie de la victime. Donc, pour un impact maximal de notre excuse, de nos excuses, il faut donc adapter la forme de nos excuses à la catégorie de la victime. Je vous explique ça dans le détail tout de suite, mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Mettez un petit pouce vers le haut. Et merci de partager cette vidéo, ça m'aidera à faire connaître cette vidéo et plus largement à faire connaître mon travail. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut et je continue tout de suite. Voyons tout de suite la première catégorie de personnes, les personnes plus individualistes, plus indépendantes. Je le rappelle, ce sont celles pour lesquelles l'affirmation suivante est exacte. J'ai un grand besoin de savoir comment je me situe par rapport à mes camarades de classe ou à mes collègues. Ces personnes-là, plus individualistes, elles apprécient davantage les excuses qui sont axées sur la compensation. C'est-à-dire qu'avant de s'excuser auprès d'une personne de cette catégorie-là, on doit avoir la réponse aux questions suivantes. Comment vais-je pouvoir l'indemniser Ou encore, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux lui proposer pour le dédommager Et une fois qu'on est devant cette personne-là, il faudra donc mettre l'accent, il faudra insister sur la compensation. Par exemple, entre amis, avec le cas d'une compensation matérielle, vous pourriez dire ceci, je suis désolé d'avoir voilé la roue de ton vélo, parce que vous l'avez abîmé, je suis désolé d'avoir voilé la roue de ton vélo, je vais payer la réparation. Ou alors la réparation peut être non pas matérielle, mais sociale. Par exemple, je suis désolé d'avoir dit ces mensonges sur toi à tes parents, je vais leur dire que j'ai tout inventé. Professionnellement, ça pourrait prendre ce genre de forme. Alors par exemple, auprès d'un collègue... Je suis désolé de ne pas t'avoir aidé à finir ce projet dans les temps, je vais t'aider pour le suivant. Ou encore auprès d'un responsable, je vais appeler le client et tout arranger. Vous voyez, ce sont des exemples dans lesquels on voit qu'il y a une compensation et donc les personnes plus individualistes risquent d'être beaucoup plus sensibles à ce genre d'excuses, à cette façon de formuler les excuses. Passons maintenant aux personnes plus relationnelles, comme je les ai appelées, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles cette affirmation est vraie. Se soucier profondément d'une autre personne comme un ami proche, c'est très important pour moi. Ces personnes-là, plus relationnelles, elles apprécient davantage les excuses axées sur l'empathie, c'est-à-dire sur la capacité qu'on a à comprendre, à ressentir les sentiments de l'autre, ou encore à se mettre à la place de cette autre personne. Ça donnerait quoi dans le cas d'un couple eh Bien par exemple ceci Je suis désolé d'avoir couché avec ton meilleur ami. Tu dois avoir l'impression que tu ne pourras plus jamais faire confiance ni à l'un ni à l'autre. À travers cette phrase, on voit bien le côté relationnel, la confiance qu'on a dans une relation les uns avec les autres. Professionnellement, ça pourrait être ceci Je suis désolé de ne pas t'avoir donné un coup de main quand tu avais besoin d'aide, tu dois penser que tu ne peux pas compter sur moi en cas de besoin. Encore une fois, vous voyez cette relation avec les autres, la relation d'aide, d'entraide, on peut compter les uns sur les autres. Voilà ce qui peut sembler important pour ce genre de personnes, pour cette catégorie de personnes l'empathie. On se met à leur place et on leur montre qu'on a compris ce qui les dérange. Ici, on ne parle pas de compensation, on parle plus d'empathie, de leurs problèmes à eux, de leur vision à eux, du tort qu'on leur a causé. On leur montre qu'on a compris la conséquence de notre action pour eux. Enfin, la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes que j'ai appelées plus collectives, c'est-à-dire celles pour lesquelles cette affirmation est plutôt vraie je ressens une grande fierté lorsque mon équipe ou mon groupe de travail réussit. Ces personnes-là, plus collectives, elles apprécient davantage les excuses qui sont axées sur la reconnaissance de la violation des règles ou la reconnaissance de la violation des normes. Donc professionnellement, par exemple, ça donnerait ceci auprès d'un responsable, je suis désolé d'avoir parlé en mal d'un concurrent auprès du client, je reconnais que c'est contraire aux règles de déontologie. Ou encore, je suis désolé d'avoir refusé de soigner un patient sous prétexte qu'il n'était pas... J'ai conscience que c'est contraire à mon serment d'Hippocrate. Vous voyez donc bien à travers ces deux exemples qu'on met en valeur les règles, les normes, la déontologie, le serment d'Hippocrate, et on reconnaît qu'on a violé ces règles, on reconnaît qu'on a violé ces normes. Entre amis, ça donnerait ceci, je suis désolé d'avoir parlé de toi en mal auprès des autres, ça ne se fait pas entre amis, et j'ai eu tort. Donc encore une fois, on voit bien la règle, on ne parle pas en mal de ses amis auprès des autres. Et aussi, on reconnaît qu'on a eu tort, on reconnaît qu'on a violé cette règle. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu ces trois catégories, bien sûr, il faut réussir à classer votre interlocuteur, la victime, dans une de ces catégories-là, et c'est pas forcément évident, on ne la connaît pas forcément. Alors ce que conseillent les chercheurs, tout simplement. C'est que, d'après eux, il vaudrait mieux des excuses détaillées que des excuses brèves et superficielles. Pourquoi Tout simplement parce que, avec des excuses détaillées, on multiplie les chances de toucher la victime là où elle est sensible. Et donc ce que je vous conseille, si vous ne savez pas où classer votre interlocuteur, eh c'est de formuler les excuses en regroupant les trois formes d'excuses. On va appeler ça ici des composantes, on va regrouper ces trois composantes dans vos excuses. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez menti à un de vos amis et que vous vouliez vous excuser de cela. Concernant la composante compensation, vous pourriez lui dire ceci. Je vais te dire la vérité. Vous voyez, vous lui avez menti, vous compensez, maintenant vous allez lui dire la vérité. La composante relationnelle. Vous pourriez dire ceci. Tu dois avoir l'impression que tu ne peux plus me faire confiance. Donc là, vous appuyez sur la confiance qu'on a dans une relation entre amis. Et il y a la composante collective, pour les personnes donc, qui sont plus collectives, vous pourriez dire ceci: j'ai eu tort car ça ne se fait pas entre amis. Donc là, vous reconnaissez qu'il y a une règle, ça ne se fait pas entre amis, de se mentir, et vous reconnaissez que vous avez violé cette règle, puisque vous dites j'ai eu tort de le faire. Maintenant qu'on a ces trois composantes, on peut les assembler pour formuler une excuse globale, donc qui englobe ces trois composantes. Et ça donnerait par exemple ceci, c'est une suggestion, hein, après à vous de l'améliorer. Je t'ai menti et j'en suis désolé. J'ai eu tort, car ça ne se fait pas entre amis. Maintenant, tu dois avoir l'impression que tu ne peux plus me faire confiance. Alors je te propose qu'on s'asseye et je vais te dire toute la vérité. Vous voyez, et là, on retrouve bien les trois composantes. Compensation, relationnel, collectif. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Maintenant, je vais passer à la troisième partie où on va voir les erreurs à ne pas commettre. Alors il y a tellement d'erreurs possibles que je vais faire une synthèse, je vais surtout donner les erreurs qui me semblent principales, les choses les plus essentielles. Donc, troisième partie, quelles sont les erreurs à ne pas commettre Eh bien la première erreur, tout simplement, c'est d'attendre le dernier moment pour vous excuser. Parce que si vous attendez d'être acculé pour vous excuser, alors vos excuses, hélas, ne sembleront pas sincères. Donc présentez vos excuses avant d'y être contraint, avant que l'autre s'aperçoive que vous êtes contraint de vous excuser. N'attendez pas le dernier moment. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'ego, donc pensez bien à mettre votre ego de côté. Et ça, ça nous mène à la deuxième erreur, vouloir avoir raison. En fait, quand vous vous excusez auprès d'une personne, il ne faut pas justifier, c'est-à-dire débattre du bien fondé de son comportement, c'est-à-dire expliquer qu'on avait raison. Et expliquer qu'on avait le droit de faire cela. Je vais revenir dessus tout de suite. Il ne faut pas non plus chercher à démontrer à l'autre qu'il a tort, parce qu'en fait, puisqu'on s'excuse, on montre que c'est nous qui avons tort, donc si on essaie de démontrer à l'autre qu'il a tort, on risque plus d'aggraver les choses. Ici, on reconnaît notre tort. Souvenez-vous ce qu'on avait dit dans la première partie, comment partir sur de bonnes bases. Quand on veut s'excuser, il faut au contraire montrer à l'autre qu'on reconnaît les démarches que notre comportement a fait naître en lui. En particulier, on essaie de montrer à l'autre qu'on reconnaît les sentiments que notre comportement a fait naître en lui. C'est-à-dire le sentiment peut-être d'être rejeté, d'être insulté, de se sentir insulté. Et là, vous voyez, on revient sur l'empathie. On montre notre empathie, on montre qu'on comprend les dommages qu'on a causés auprès de cette personne. Donc, erreur numéro 2, vouloir avoir raison. Erreur numéro 3, justifier son comportement. Se trouver des excuses. C'est ce que j'évoquais à l'instant. Le danger, c'est donc de justifier le comportement qui a causé du tort, c'est-à-dire d'essayer de faire admettre à l'autre que notre comportement était justifié, qu'il était juste, qu'il était adapté, qu'il était bien fondé, que c'était une nécessité. Parce que dans ce cas-là, quand vous essayez de justifier votre comportement, vous ne semblez pas sincère, puisque vous ne semblez pas regretter votre comportement, puisque vous le voyez comme étant juste, adapté. En effet, ça laisse entendre que si la situation se représentait puisque vous pensez avoir eu un comportement adapté, bien fondé, justifié, donc ça laisse entendre que si la situation se représentait, vous agiriez à nouveau de la même façon. Et en fait, ça revient à dire à l'autre que vous pensez que vous avez bien agi. Donc pour des excuses, c'est un peu mal parti. À la rigueur, vous pourriez donner une excuse à votre comportement à deux conditions. Première condition, c'est que cette excuse est un caractère exceptionnel par exemple j'étais ivre j'étais énervé j'étais contrarié par ma journée de travail euh, j'étais en colère j'étais triste voilà alors là ça pourrait passer en effet parce que il y a des situations où on ne contrôle plus nos comportements euh, bon alors à mes yeux c'est pas forcément une excuse parce qu'on reste quand même responsable par exemple si on explique qu'on avait trop bu et qu'on avait perdu le contrôle de soi on est quand même responsable d'avoir bu à la base c'est quand même une erreur de notre part mais Peut-être que l'autre nous pardonnera plus facilement parce qu'il a conscience, parce qu'il comprend que dans certaines situations, dans un certain contexte, il arrive, il peut arriver à tout le monde de commettre des erreurs et c'est peut-être ce qui lui arrive à lui aussi, c'est peut-être déjà arrivé à cette personne-là. Donc il sera peut-être disposé à nous pardonner parce que notre comportement revêt un caractère exceptionnel. La deuxième condition qui fait qu'on pourrait trouver une excuse à notre comportement, c'est celui où on a conscience d'avoir mal agi, c'est-à-dire je ne pensais pas que ça te ferait de la peine. Sous-entendu, la prochaine fois, je saurai que ça te fera de la peine et j'agirai autrement. En résumé, vous pouvez éventuellement, à la rigueur, donner une excuse à votre comportement dans ces deux conditions-là. Ça marche parce que l'autre sait que soit le tort que vous lui avez fait n'était pas intentionnel, soit le tort que vous lui avez fait était certes intentionnel, vous êtes emporté, vous étiez en colère, mais ça n'est pas censé se reproduire à l'avenir. Votre objectif, c'est bien de rassurer l'autre en lui montrant que vous veillerez à ce que ça n'arrive plus. Et bien sûr, attention à l'ordre dans lequel vous vous exprimez. Le plus important déjà auprès de l'autre personne, c'est de montrer qu'on reconnaît ses torts. Donc d'abord, vous reconnaissez vos torts, puis seulement ensuite vous expliquez votre comportement. Et pas dans l'autre sens car il faut montrer d'abord, je le répète, qu'on endosse la responsabilité. Ensuite, il y a une autre erreur dont je voulais vous parler, c'est celle qui consiste à jouer la victime. Qu'on soit clair, ce qui intéresse l'autre, c'est le tort que vous, vous lui avez fait. Ce qui intéresse l'autre, c'est lui-même, et ce n'est pas le tort que votre comportement a eu sur vous-même. Or, si vous jouez la victime, vous semblez nier que c'est d'abord l'autre la victime. Donc faites attention aux phrases telles que celle-ci. Ah oh, j'ai honte de moi, je me sens sale, je ne peux plus me regarder dans un miroir, je n'endors plus, je ne mange plus. Alors certes, là vous exprimez un regret, mais ce regret semble plus porter sur vous-même que sur l'autre. Vous parlez trop de vous et pas assez de l'autre. Qu'est-ce qu'à lui, ça lui a fait votre comportement, votre action. Et aussi, encore une erreur à ne pas commettre, c'est celle qui consiste à utiliser des tu accusateurs, ou des vous accusateurs. Parce que les tu où les vous peuvent être perçus comme des reproches, comme une accusation. Alors, je ne dis pas n'utilisez pas les tu, n'utilisez pas les vous vous en aurez besoin pour vous exprimer, mais il faut faire attention, dans certaines situations, dans certaines formulations, ça peut paraître accusateur. Vous pouvez donner la pression à l'autre que vous l'accusez, que vous le blâmez, que vous lui faites des reproches. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, au lieu de dire tu ne m'avais pas dit que ceci, cela, vous pourriez dire plutôt je ne savais pas que ceci, cela, ou je n'étais pas au courant que ceci, cela. Un autre exemple. Vous pourriez être amené à dire je regrette que tu l'aies mal pris. Alors c'est une erreur de formuler les choses comme ça parce qu'en fait l'autre parce qu'en fait l'autre est accusé, il peut se sentir responsable parce que quand vous dites je regrette que tu l'aies mal pris, en fait ça sous-entend quelque chose, ça sous-entend qu'il il avait qu'à bien le prendre. Alors plutôt que de formuler les choses ainsi, je regrette que tu l'aies mal pris, vous pourriez dire plutôt je regrette de t'avoir fait de la peine. Quand vous formulez votre regret de cette façon-là, vous vous montrez responsable, vous acceptez la responsabilité, vous, vous acceptez que votre action ait eu des effets sur l'autre, vous le reconnaissez. Quand vous dites je regrette de t'avoir fait de la peine, en fait ça sous-entend je n'avais qu'à faire autrement, j'aurais dû faire autrement. Donc quand vous exprimez un regret, regrettez ce que vous avez fait, regrettez votre action, votre comportement, mais ne regrettez pas la réaction de l'autre, ne regrettez pas sa réaction. Juste un petit bémol. Vous pouvez par contre reconnaître quand même ses sentiments. Par exemple, je vois que tu te sens blessé, sali, insulté, triste, et je comprends que mon comportement en est à l'origine, en est la cause. Et ici, vous reconnaissez bien ses sentiments, il s'agit donc d'empathie, vous reconnaissez bien la douleur qu'il ressent. Mais même si vous reconnaissez la réaction de l'autre, vous reconnaissez aussi votre responsabilité dans cette réaction-là. Je vois que tu te sens blessé, et je comprends que j'en suis à l'origine. En autre exemple, tu ne m'as pas compris. Alors là encore, vous accusez l'autre en fait d'avoir mal compris. Vous pourriez dire tout simplement nous nous sommes mal compris. On s'est mal compris parce que je le rappelle dans une communication, il y a un émetteur et un récepteur et les deux sont responsables d'une bonne compréhension. Donc même si vous pensez vous avoir été clair et si vous pensez que c'est la faute de l'autre, ici, vous présentez vos excuses. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Qu'est-ce que vous voulez Encore une fois, je vous rappelle la première partie. Quels sont vos objectifs Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec l'autre ou est-ce que vous voulez avoir raison Donc, votre objectif ici, c'est de vous réconcilier. Donc, ne prenez pas le risque de vous disputer à nouveau. Mettez votre ego de côté. Et bien sûr, puisqu'on parlait de responsabilité, il est possible que la responsabilité incombe aux deux, aussi bien à vous qu'à la victime. Peut-être qu'elle aussi, elle a des, des torts. Mais ici, parlez plutôt de votre responsabilité. Reconnaissez-la. Répondez à la question suivante. Qu'avez-vous fait, vous, qui avez pu lui faire du tort Parce que si vous parlez de la responsabilité de l'autre, il y a un danger. C'est un terrain glissant. Vous risquez de déraper et d'aggraver la situation. Donc j'ai bien insisté sur la responsabilité. Maintenant, j'aimerais insister sur un dernier point. J'aimerais préciser un dernier point. Ne recommencez pas. Parce que la victime peut vous pardonner une première fois. Mais rien ne vous garantit bien sûr qu'elle va vous pardonner une deuxième fois. Donc ne recommencez pas et n'abusez pas du pardon des autres. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je voulais vous suggérer une vidéo suivante qui est tout à fait en relation avec celle-ci. C'est la vidéo que j'ai intitulée ⁇ Comment gérer les conflits et éviter l'escalade ?⁇ Parce que selon vous, les conflits sont-ils une bonne ou une mauvaise chose d'un côté, les conflits, c'est une bonne chose parce que c'est l'occasion de s'exprimer et d'apporter des solutions aux situations qui nous dérangent. Mais de l'autre côté, les conflits, c'est aussi une source de stress et ils peuvent nuire aux personnes qui sont concernées par ces conflits-là. Surtout lorsqu'il se produit une escalade. Et j'en viens au sujet de cette vidéo. Éviter l'escalade. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'escalade dans un conflit Eh bien, c'est ce dont je parle dans la vidéo suivante, dans laquelle vous allez donc découvrir... Déjà, le lien entre les conflits et la fièvre. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, je vais vous donner aussi un petit exercice rapide qui va vous permettre d'éviter l'escalade dans les conflits. Et enfin, je vous donnerai trois conseils faciles à appliquer et qui vont vous aider à faire retomber la tension dans le cas d'une relation tendue. Tout est dans la vidéo suivante. Donc, pour y accéder, vous allez trouver un lien sous cette vidéo-ci, sous la vidéo en cours. Sur YouTube, le lien se trouve dans la description. Et si vous êtes sur smartphone, la description n'apparaît pas forcément, il faut la faire apparaître. Pour cela, vous avez une petite flèche en bas à droite de votre écran. En cliquant sur cette petite flèche, vous faites apparaître la description. Et quand la description apparaît, il vous suffit de cliquer sur le lien pour regarder la vidéo suivante Comment gérer les conflits et éviter l'escalade. Donc je le répète, sous cette vidéo, vous avez un lien pour accéder à la vidéo suivante. Comment gérer les conflits et éviter l'escalade Cliquez sur ce lien. Faites apparaître peut-être la description d'abord en cliquant sur la flèche en bas à droite de votre écran. Cliquez sur ce lien. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante. Comment gérer les conflits et éviter l'escalade A tout de suite dans la vidéo suivante.